Bienvenue à toutes et à tous pour notre troisième culte en ligne. Bienvenue aussi à celles et ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois. Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir parmi nous ce matin. Nous sommes aussi heureux de pouvoir vivre ces temps, malgré le confinement, malgré voilà, tout ce que nous pouvons traverser dans ces temps un peu difficiles, un peu compliqués, et finalement où nous ne savons pas trop où poser les pieds. Mais ce matin, nous voulons vous proposer un temps où nous sommes ensemble, certes chez nous, à la maison, les uns les autres, dans le confinement, mais ensemble, devant Dieu, ensemble les uns avec les autres, unis par le Saint-Esprit, par cet Esprit qui nous unit tous. Et ce temps, bien sûr, nous amène à vivre notre vie, ou en tout cas à la réfléchir au quotidien autrement, parce que voilà, nous traversons une période assez compliquée, mais en même temps, nous savons que Dieu est la source de toutes choses. Ce matin, j'aimerais vous lire ce texte de Zacharie 1, verset 3, qui nous dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. « Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit-il. » Ce matin, nous croyons vraiment que Dieu nous appelle à revenir à lui dans ce temps particulier, mais pas seulement pour revenir à lui pour juste penser à nous, mais revenir à lui pour aller plus loin, revenir à lui pour penser aussi à l'après. Et je crois que ce confinement, ce temps particulier, nous invite à réfléchir à quelle sera la suite finalement, quel sera ce que Dieu veut pour la suite. Et recevoir ce que lui dit, ce que lui veut, pas seulement ce que nous pensons vouloir ou ce que nous pensons être bien pour nous, pour les autres, pour la suite, même pour notre Église, pas seulement nos bonnes idées, mais ses idées à lui, sa vision à lui. Et soyons toujours disposés à recevoir sa parole au travers de la lecture de la Bible, au travers de nos temps personnels avec lui, mais aussi au travers de nos temps ensemble sur cette plateforme YouTube. Parce que c'est comme ça aussi que Dieu parle, Dieu se sert de chacun de nous, de chaque moyen qui sont mis à disposition dans ce monde, pas des choses qui ne sont banales peut-être, ou voilà, mais en tout cas nous croyons que Dieu peut nous parler aujourd'hui encore, même au travers de YouTube. Et nous voulons remercier chacun aussi chez vous pour votre fidélité, pour assister à ces cultes, et aussi vous remercier pour votre souhait d'aller de l'avant avec Dieu et avec chacun d'entre nous. Nous allons maintenant vivre un temps de louange qui va vous être proposé, un temps de louange devant Dieu, pour l'adorer, pour l'élever, pour le placer au-dessus de tout, parce que nous savons que même dans ces temps compliqués, Dieu est souverain. Dieu sait toutes choses, Dieu voit toutes choses. Et comme on a l'habitude de dire, il sait ce que nous traversons. Il est avec nous, il est à nos côtés et il marche avec nous. Que nous soyons dans la peine, dans la tristesse, Dieu est là et nous savons qu'il est présent. Donc nous remercions Maggie, Marie et Johan qui vont nous amener avec eux dans ce temps de louange. Et je vous invite chacun chez vous à vous placer devant Dieu, à vous placer sous son regard, à l'élever et à recevoir ce qu'il a pour nous, à recevoir ce qu'il a pour vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux de nous retrouver ensemble et nous venons célébrer notre Dieu. Encore une fois, c'est une joie de pouvoir venir et le faire ensemble. Maintenant, nous allons prendre ce premier chant qui dit que c'est le Seigneur de la terre et nous voulons l'exalter. C'est un grand Dieu, un grand roi et nous voulons vraiment le louer, le proclamer en ces temps particuliers. Donc je vous invite à prendre ce premier chant. À ton nom, les monts vacillent. Les monts vacillent et c'est
Notre Père dans les cieux, notre Père.
Thank you.
la droite du
tient, qui peut changer les circonstances, qui peut faire grandir, évoluer les choses. Notre espoir est en toi, Seigneur. Nous croyons en Dieu le Père. Et nous voulons vraiment garder espoir, car tu es notre seul espoir dans ce monde, dans notre pays de France. Merci. Je veux vous encourager ce matin dans votre foi, dans la dimension de votre vie spirituelle. La Bible nous dit « veillez et priez » à plusieurs reprises. On le retrouve dans les évangiles. C'est une invitation à rester en éveil. Jésus dit en Matthieu 26, 41 à ses disciples, la nuit où il fut livré, « veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il leur disait ça lors d'un temps qui compte, qui comptait, et nous sommes aussi aujourd'hui dans un temps qui compte, et la parole nous encourage encore aujourd'hui à veiller et à prier. 1 Thessaloniciens au chapitre 5 nous dit, à plusieurs versets, « Ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres » au verset 8. « Priez sans cesse » au verset 17, ce qui signifie que ce doit être un état de cœur constant. « N'éteignez pas l'esprit » au verset 19. Tout aujourd'hui nous invite au repli sur soi. Ça l'était déjà dans notre société individualiste, mais encore plus aujourd'hui avec le confinement. Prenons garde au risque de s'y habituer, de rester collé à notre canapé. C'est un temps pour montrer autre chose. Sortons ou n'entrons pas dans une forme de léthargie. Soyons vigilants sur cela. Ne nous mettons pas en mode avion, mais restons connectés à l'Esprit de Dieu. Veillez et priez ne nous tourne pas vers nous-mêmes, mais vers Dieu et vers l'autre. Cela nous rend attentifs aux besoins des autres et aux besoins autres que les siens. Notre revendication, c'est-à-dire ce qu'on veut voir s'élever dans ce monde, c'est l'amour de Dieu. C'est l'évangile qui est justice, paix et joie, comme nous dit Romains 14 au verset 17, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. C'est ce désir qui s'active en nous lorsque Dieu est au centre de notre vie, de nos préoccupations. Dieu est un Dieu créateur et bienveillant, qui veut le meilleur pour sa création. Ne laissons pas cette période que nous vivons être entachée par ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire de passer à côté du but, de se laisser éloigner du Seigneur et de sa volonté pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite. N'abandonnons pas l'assemblée des croyants à laquelle nous appartenons, mais continuons de redoubler de louanges, de foi, de vie, de communion fraternelle et de rester toujours en éveil. Veillons et luttons contre tout ce qui veut nous endormir. Ce message a traversé les âges pour nous rejoindre encore ce matin. Pour cela, vivons de la puissance du Saint-Esprit. Dans ce chemin après Pâques qui nous mène vers la Pentecôte, activons la vie du Saint-Esprit déversée sur nous. C'est une puissance pour quiconque croit. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons rester accrochés au Seigneur et vivre tout ce dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Acte 1, verset 8, Jésus dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cherchons donc la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est quelque chose qui vit en nous, qui est vivant, qui est là, qui est disponible, qui est maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui est dehors, ce n'est pas juste une expérience passée, mais c'est maintenant. Et c'est inépuisable. C'est pourquoi je vous ai dit le texte de Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'esprit ». Et si vous qui écoutez aujourd'hui n'avez jamais fait cette expérience, approchez-vous simplement de Dieu, ouvrant la porte de votre cœur en priant, le Christ, avec vos propres mots, pour l'inviter à venir révéler son amour, sa grâce dans votre vie, comme ce Dieu vivant et puissant qui vienne vous remplir de sa présence. Vous verrez, c'est l'expérience la plus déterminante qu'on puisse faire et la plus forte qu'on puisse vivre.
Donc, par le Saint-Esprit qui agit en nous, demeurons dans une dimension spirituelle forte. Ne laissons pas se perdre ce don merveilleux de l'Esprit qui est appelé à porter du fruit en nous. C'est une puissance à vivre au quotidien et nous transporte spirituellement bien au-delà de nos propres capacités naturelles. C'est indescriptible tout en étant parfaitement concret. Que jaillissent en nous ces dons de l'Esprit que l'on trouve en Galates 5, verset 22, la joie, la paix, l'amour, la maîtrise de soi et en ce moment particulièrement la patience. Vivons sa présence, vivons de sa présence et témoignons aujourd'hui plus qu'hier de notre Seigneur magnifique. Soyons remplis de l'abondance de sa grâce jusqu'à en déborder. C'est le meilleur sentiment de liberté que l'on puisse connaître. Ma force se trouve en Christ, qui a donné sa vie pour moi. Son cœur a cessé de battre pour ma liberté, pour que je ne vive plus sous le poids de ce monde, mais pour que je puisse vivre de sa grâce, de son amour. Ma force est en lui car il est ressuscité et il a rendu le pouvoir du péché sans effet sur ma vie, puisque je crois en lui. Ça signifie tout simplement que nous pouvons vivre en nouveauté de vie par sa présence en nous. Il nous décharge tous nos fardeaux pour nous rendre dans une marche assurée. La mort qui avait prise sur nous n'est plus, car il est vivant au siècle des siècles. Amen. Nous sommes libérés du confinement de nos propres vies qui nous empêchait de vivre la liberté en Christ. Je ne peux que vous recommander d'essayer. Et pour tous ceux qui connaissent tout cela, ne perdons pas de vue que nous pouvons vivre une nouveauté de vie chaque jour. Délaissant nos mauvaises habitudes, le sentiment de tout connaître, d'avoir tout vécu, d'avoir tout compris. Accueillons le nouveau du Seigneur, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons du temps pour le vivre, nous avons l'espace pour le vivre particulièrement. Mettons donc en avant la force de notre foi, le Saint-Esprit en nous, plutôt que nos propres forces, nos propres raisonnements, qui ne produiront pas la vie comme seul le Seigneur peut le produire. Éphésiens 3, versets 20 et 21 nous dit « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. À lui soit la gloire au siècle des siècles. » On ne veut pas vivre la dimension de l'Esprit au travers d'un écran seulement, en se laissant assister de tout ce que les Églises proposent aujourd'hui, et c'est excellent d'avoir tout cela, on le fait nous-mêmes, mais on veut se mettre en mouvement aussi dans notre propre vie, dans notre propre foi, pour ne pas s'endormir, et que cette puissance qui vit en nous ne sommeille pas, mais qu'elle soit activée. Et ça, ça n'est pas virtuel. L'ennemi a tout intérêt à ce qu'on ne bouge pas, à ce qu'on reste seul, isolé, replié. Restons fidèles dans notre communion avec le Seigneur, le Christ, et avec le corps de Christ, qui est l'Église, parce que c'est aussi une puissance qui nous est donnée d'appartenir à un corps uni au Christ, qui se vit à chaque instant, pas seulement lors des cultes. Elle nous entraîne, l'Église, à la vie de disciples, de Christ, qui est le don de soi, la persévérance spirituelle à l'amour pour notre prochain. Nous ne voulons pas être de ceux qui suivent Jésus de loin comme la foule, mais nous voulons être de ceux qui sont proches, les disciples qui œuvrent et qui suivent le Seigneur sans se lasser, sans se fatiguer, car ils sont guidés par la passion pour lui. C'est cette passion qui nous fait sortir de notre canapé. C'est cette passion que nous voulons voir être ranimée au quotidien. En restant proches du Seigneur, nous ne resterons pas tels que nous sommes, nous serons transformés parce que nous nous frotterons à sa puissance qui devient agissante en nous. Le Saint-Esprit nous est donné, c'est pour un renouvellement de l'intelligence. On trouve cela en Romains 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre ressource est en lui. Allons chercher la ressource auprès du Seigneur afin d'amener tout cela dans ce monde. Dieu opère en ce moment un réveil des consciences pour nous attirer plus près de lui. C'est ce qu'il nous invite à faire particulièrement. Il nous communique son cœur, il nous communique sa volonté lorsque nous venons dans le lieu secret de sa présence et il nous le rendra. Il renouvelle notre intelligence pour comprendre ce qui est bon, ce qui est saint, ce qui est juste, ce qui est bon à ses yeux. Et il nous donne aussi le vouloir et le faire selon sa volonté. Éphésiens 4, des versets 20 à 24, nous parle aussi de cette dimension de l'intelligence renouvelée. C'est ce que la Bible appelle revêtir le Christ, revêtir l'homme nouveau, en raisonnant sur la base de la foi, de l'espérance et de l'amour.
Il nous donne un discernement pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu face à tout ce qui dans ce monde voudrait nous rendre esclaves. Il opère ce qu'on appelle la métanoïa en grec, un changement de mentalité, un changement de regard, un changement d'horizon, un changement de système de pensée. C'est le fruit de la repentance. Il n'y a pas de transformation sans remise en question de nos propres schémas, sans vouloir accueillir plus du Seigneur. Que ce désir d'être transformé de gloire en gloire ne nous quitte pas, car il y a tellement plus à vivre derrière. C'est aussi cela le sens du sabbat dont nous parlait Jean-Marc Potenti, prendre le temps d'aligner pleinement nos cœurs à Dieu et à sa volonté. Donc tout cela pour vivre et pour amener un renouveau. Nous vivons actuellement comme un temps de mort, de brisement. C'est pour un recommencement, c'est pour un renouveau spirituel, une nouvelle espérance que seul le Christ pourra combler. C'est un printemps qui va venir et la saison que nous vivons nous inspire cela, où tout reprend vie. Ouvrons-nous à lui, que l'humanité cesse de vivre dans cet orgueil de la suffisance, comme si on n'existait que par nous-mêmes, comme si ce monde qui témoigne de l'infini de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la vie si complexe qui nous entoure et extraordinaire, comme si tout cela ne venait que du néant. Ces temps nous rappellent notre finitude, et comme nous le partageait Xavier Dufour la semaine dernière, nous rappellent notre besoin de Dieu, notre besoin de revenir à l'essentiel, de donner du sens à nos vies. Depuis toujours, et c'est toute l'histoire de la Bible, Dieu répand son salut et le propose à tous, car il veut sauver ce monde qui court à sa perte en marchant sans son Créateur. Ésaïe 45, verset 22, nous dit « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, dit le Seigneur. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Entendons cet appel qui nous vient encore aujourd'hui, qui nous est adressé en tant qu'individu comme en tant que nation. Dieu veut encore faire grâce aujourd'hui. Alors prenons le chemin de la vie plutôt que de la mort, que ce soit pour l'orientation globale de notre vie ou pour chaque choix, chaque décision. Nous pouvons vivre l'humanité selon le cœur de Dieu. C'est une bonne nouvelle et c'est le message de l'Évangile. Dieu a toujours voulu l'harmonie entre nous et lui, entre nous et les autres, entre nous et le reste de la création. Ainsi, par le Christ qui rachète toutes choses, les relations seront sauvées, libérées. La violence n'aura plus raison d'être, l'orgueil perdra tout son sens. Dans ce temps où tous les systèmes de ce monde sont ébranlés, cherchons ce qui est bon, agréable et parfait selon le cœur de Dieu, et c'est cela qui deviendra notre guide. Alors dans ces temps particuliers, et derrière ces temps particuliers, que voulons-nous vivre? À quoi nous aspirons? Faire tout comme avant et repartir? Ce serait aller dans le mur des mêmes difficultés que nous vivons dès la première brise de vent. C'est d'ailleurs à ce jour la plus grosse tentation qui soit, continuer comme avant. On veut s'attendre à Dieu et on ne veut pas juste se tourner les pouces. C'est pourquoi nous avons lancé avec le réseau Nouvelle Connexion et France Prière Sentinelle 24-7 dont il vous a été parlé, qui est un mouvement de prière 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que nous voulons voir son règne s'établir. C'est pourquoi nous prions que les systèmes qui amènent destruction, corruption, inégalité, injustice, tombent et soient mis en lumière, afin de laisser place à un système sain, équilibré. C'est un combat, et il commence dans la prière. Nous prions aussi pour les victimes de violence, de pauvreté, tout ce qui défigure la création de Dieu. Nous prions pour ceux qui souffrent, dans la maladie, pour ceux qui sont dans le deuil. Nous voulons aussi prier pour tous ceux qui vivent la restriction de liberté dans leur quotidien à cause de leur foi. Veillons et prions, activant la puissance du Saint-Esprit en nous pour chercher le renouvellement de notre intelligence, notre capacité à voir comme le Seigneur voit, à prier, à intercéder selon son cœur pour amener ce renouveau tout autour de nous. C'est notre appel, c'est notre mission, répandre toutes les dimensions du salut de l'Éternel sur terre, que son règne vienne. Prions quelques instants. Seigneur, merci pour ta grâce qui nous a été rappelée encore ce matin,
Couvre ce pays de ta grâce, couvre ce pays de ton salut. Et nous qui sommes là, nous nous présentons devant toi. Couvre-nous aussi de la puissance de ton salut, de la puissance de ton Esprit Saint. Que tout ce que tu as mis en nous ne se perde pas, mais soit activé dans notre quotidien. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cette démarche d'accueillir le Seigneur, le Christ dans leur vie, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit qui se répand sur eux également. Merci pour cette vie en abondance que nous pouvons vivre en confinement comme dans toute autre circonstance de nos vies. Merci pour ce que tu vas faire dans chacune de nos vies, tout ce que tu vas faire dans les nations, Seigneur. Nous avons foi en toi. Amen. Je vous invite à vivre ce chant que vous allez écouter maintenant, que vous allez entendre, avec les paroles en sous-titre. C'est le chant « Fleuve de vie » de Hillsong. Prenez ces quelques minutes pour vous laisser imprégner de la puissance de son esprit. Bon dimanche à tous.
J'invoque ton nom.